Bonjour, je m'appelle Michel, je travaille chez Pokémon Company. C'est moi qui suis en charge du développement des nouveautés Pokémon. Donc, pour commencer, j'avais commencé à vous sodomiser avec les boosters. Donc, c'est des petits paquets de cartes qu'on vend par 12. Et à l'intérieur, vous ne trouvez jamais de rares. Et vous payez ça 6,90. Alors, d'année en année, on met de moins en moins de belles cartes pour vous acheter toujours plus de boosters. Vous, les pigeons, vous êtes tombés dans le piège. Et vous achetez, vous achetez, vous achetez. Et moi, j'en mets de moins en moins. Et vous, vous en achetez de plus en plus. Après les coffrets, les boosters, les displays, j'ai sorti une nouvelle arme pour vous baiser encore plus fort. La Team Box, ce sont des petits cubes que vous empilez les uns sur les autres jusqu'à plus soif. À l'intérieur de ces coffrets, toujours aussi peu de bonnes cartes. Vous les pigeons, vous allez acheter toujours plus de box pour me rendre toujours plus riche. Je ne cesse de m'améliorer pour vous arnaquer toujours de plus en plus fort. Réduire les cartes, réduire les boosters et augmenter les prix. Vous les pigeons, plus c'est cher, plus vous achetez et moins vous avez de cartes. Donc, dans cette vidéo, moi Michel, je vais vous proposer de voir que dans ces trois boîtes, on ne va rien trouver. C'est parti. Salut les petits Pokémon, c'est Adrien Le Gallard. Bienvenue sur la chaîne Kiosk Game. Comme vous avez pu voir, Michel vous a fait une petite introduction où on vous parlait du ratio dans les boîtes Pokémon. Aujourd'hui, on va essayer de démontrer par A plus B que ce qu'il dit, c'est de la merde. Pour ce faire, nous avons trois boîtes. Trois boîtes. Une Pokémon électrique. Une boîte avec les Pokémon plantes. Et une boîte avec les Pokémon eau. Pour tous ceux qui aiment l'eau. Attachez vos ceintures. Sortez un petit paquet de Crunch ou un petit paquet de Milky Way. L'ouverture va être majestueuse. Prépare-toi, ça démarre maintenant. Allez, je vous passe l'ouverture qui a été chaotique avec un emballage plastique horrible et de la colle partout. On a réussi à s'en sortir. On peut commencer à ouvrir notre première Team Box. À l'intérieur, il n'y a pas une merde de chien, il n'y a pas un God Ventouse, mais bel et bien des boosters Pokémon. La boîte est grande, il n'y a pas grand-chose dedans. On va retrouver un petit Pog Pikachu et trois boosters. Ce ne sont pas des boosters XY Evolution, mais un style de combat qui m'a l'air fort machoukaï, un booster Évolution Céleste et un booster Point de Fusion. Allez, je vous laisse voter pour lequel booster je vais ouvrir en premier. Ok, dans mon oreillette, on me dit le booster tout machouka et style de combat. C'est parti. On attaque tout de suite l'ouverture. Comme vous pouvez le constater, il est à moitié machouka. Là, il y a un trait, on ne sait pas pourquoi. Les bords sont pliés. Ça ne laisse présager rien de bon. Allez hop. La technique des maîtres chinois. 1, 2, 3, 4. On passe en dessous. On retourne. Nous avons affaire à l'énergie du feu. L'énergie du feu qui brûle. Ensuite, nous avons Morpeko. Nous avons une petite trousse d'outils pour tous les bricoleurs de Kiosk Game. Allez, nous avons un dentiste. Nous avons le fameux Siribou. Kung Fuin, la fouine qui fait du Kung Fu. Nous avons un Dunaja. Monsieur Mime de Galar, et non pas Mime tout court. Nous avons Chétiflore, le chétif. Ouh, Piafabek, Piafabek, un reverse qui brille. Et attention. Et nous avons une carte toute machoukaï, à savoir la carte Hexadron, Hexadron le méchant. Allez, premier booster, pas beaucoup de chance. On s'attaque à la série maudite. Point de fusion.
Voilà, le booster est ouvert. On va attaquer les techniques de chinois. 1, 2, 3, 4. En dessous, retournement. Et voilà, l'énergie orange pour tous les amateurs de jus d'orange. Hop, ok, nous avons Colossinge, Colossinge le méchant. Nous avons Flotoutan, l'orang-outan. Un scout pour les scouts, scout toujours. Allez, nous avons Bakabou, le fameux Pokémon Bakabou. Ensuite, le Pokémon pose pipi, qui s'arrête souvent pour faire pipi. Goupix. C'est parti. Meltan qui n'a pas le temps. Toxizap, qui zappe. Ah, on approche de la vérité. Balbuto, si tu penses que derrière cette carte, il va y avoir une belle carte, mets un pouce vers le haut. Ouf. Oh là 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 là, Demeteros, tout machoukaille, une carte holo. Mais bon, ça ne nous fait pas rêver. Il nous en faut plus. Allez, on fout ça de côté. Allez, nous attaquons l'évolution céleste, les petits amis. Donc, comme vous le savez, cette série, elle est un peu plus généreuse en belle carte. C'est parti. Un, deux, trois, quatre. On retourne. Bim, bam, boum. C'est parti. L'énergie pipi. La fameuse énergie pipi de Kios Game. Ouh, quelle magnifique carte. Attention, je vais essayer de le dire. Aromathérapeute. C'est une petite qui travaille dans les plantes. La valise de secours, pour tous ceux qui aiment les valises. Bagade. Nous avons Passe Rouge, qui passe toujours au rouge et pas au vert. Putain, c'est quoi ces noms de merde? Bagiguan. Hippopotas. Tritonde. Elianceau. Fouette. Et attention, après deux échecs consécutifs, allons-nous rester sur un échec? Non. Nous ne resterons pas sur un échec. Aïe, une petite V là. Ça va pas voler bien haut, Ça vole pas haut, ça vole haut. Un Filali V. Oh, sympathique quand même, Filali. Vous savez, quel Pokémon qui va se coucher quand il est fatigué, c'est Filali. Parce que quand il est fatigué, il file au lit. Lol. Allez, nous attaquons tout de suite la boîte bleue. La boîte bleue qui est de couleur bleue, qui va très bien avec mon petit tapis magique. Voilà. À l'intérieur, on retrouve toujours la même chose, sans surprise. Je fais une sortie. Et cette fois-ci, ce n'est plus Pikachu, c'est un petit lézard. Les POG sont beaux. Hein. Pour tous les amis qui aiment les POG. Alors, pour pas changer, ils nous ont mis encore un booster tout machoukaï. Hein. On ne sait pas, ça vient de la bouche d'un éléphant ou d'un mammouth. On ne sait pas trop, mais en espérant que les cartes à l'intérieur soient bonnes. Let's go. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8. Allez, l'énergie métal pour tous ceux qui aiment le métal. Ok, multi-exp. C'est un casque qui vous donne beaucoup d'expérience. Wagomine. Un nom imprononçable. Férosinge, le singe qui est très féroce. Ramolos, de Galar, bien entendu. Mimantis. Les hémorroïdes. Osley. Larvadar. Et attention. Ouh là là, ça m'a l'air d'être virulent. Allez, on soulève un petit peu plus. Ouh, du Vmax. Attention. Si tu sais ce que c'est, envoie, je sais ce que c'est. Attention. Putain, j'ai mal. Ouh, c'est du Rainbow, les gars. Allez, attention. Ouh!
Victini, VMAX, en Rainbow, Mamma Mia. Oh, ça fait mal. Oh, je vais l'encadrer dans mon salon. Oh là là. Mesdames et mesdames, sous vos yeux ébahis, la chaîne Kiosk Game est rentrée dans les annales. Allez, perdons pas de temps, continuons. Allez, point de fusion, la série porte malheur. Est-ce que cette boîte, c'était la boîte à avoir? On va voir ça tout de suite. Je suis chaud! Allez, 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, on retourne. On est sur une énergie pipi. Ça fait mal, ça. Volcacrotte. Un truc de merde. Le juge Dredd. Pose pipi, qui aime bien aller aux toilettes. Miaouss le chat. Mouna. Maril. Galvaran le hareng. Lucanon. Et attention. Ah non. On peut pas toujours être au top. Nuplodocus. C'est comme un diplodocus, mais avec un nu. Ok, où sont mes boosters? J'ai perdu. Ok, évolution céleste. La série qui paye. Allez, mesdames et mesdames, on en veut encore plus. On veut du spectacle, on veut de la chance, on veut faire des heureux dans le monde. C'est parti. Je mets 4 cartes derrière. Je retourne. Je bascule sur l'énergie pipi. Allez, c'est parti, énergie pipi. Serra Crawl, qui sait nager que le crawl. Badge Feuille Neige. Chaise. Un oiseau. Une crotte. Une deuxième crotte. Granivole. Une merde. Allez. Badge élémentaire. Déjà, c'est reverse, c'est joli, ça brille, c'est sympathique. Le badge nous cache. Ah. La merde. Altaria. Altaria, Altarien. Je ne vous cache pas que je range n'importe comment. J'ai honte. I have honte. Après l'électricité et l'eau qui ne font pas bon ménage, nous allons attaquer les plantes. Ouverture. À l'intérieur, on retrouve non pas des vieilles dents, mais 3 nouveaux boosters. Et un Pog. Le Pog de Marsupilami. Allez, c'est parti. Les boosters. Style de combat, comme vous pouvez le voir, toujours aussi bien Machukai. Mais ça ne nous empêchera pas de trouver une belle carte. On ouvre, les amis. On ouvre, souhaitez-moi bonne chance. Chance. Merci. Allez. Allez les petits. 1, 2, 3, 4. Allez, souhaitez-moi bon courage. Allez. L'énergie plante. Dans une boîte plante, c'est bon signe. Grenichon, qu'un des grenichons. L'éventail houleux. Coléodome, le Pokémon le plus célèbre. Grucui. Chat Glam, le chat qui est glamour. Dunaja, le serpent. Viscuse. Malos, le molos. Luxio, Luxio le petit. Et Luxio va nous cacher. Oh, style de combat, c'est la guerre, les amis. Allez, allez. Qu'est-ce que c'est? Encore du VMAX, là, non? Oui, peut-être. Non, du V. Du V. Qui est-ce? Qui est-ce? Toc, 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 toc. Chou! Tokoriko V. Bon, les amis, nous ne sommes pas trop mal. Série maudite. Allez, je te bénis, Booster, Booster. Toi qui pue du cul, qui porte la poisse tout le temps. Donne-nous une belle carte et tu seras justement récompensé.
Allez. Allez. Les ventres, le paquet. Qu'est-ce qui se passe? Allez, nouveau joueur, joue encore. 4 derrière, le reste devant. On retourne. Ouf, encore du pipi. C'est parti. Ariyama, c'est un japonais. Champignon. Celui-là, quand vous l'avez en carte rare, champignon, vous vomissez du sang à chaque fois. Échange croisé. Mucusus qui suce. Embroché. Snubble. Racaille ou la racaille. Gripate. Anchoite, va-t-il nous réserver une surprise? Oui, non. Kaorin, le Pokémon tout froissé. Allez, je la jette. Les amis, après avoir passé des instants fous ensemble, nous voici au dernier booster. Un booster évolution céleste. Ce booster est très important, car il cache peut-être une carte magnifique. Nos derniers instants ensemble, mes amis. Si tu te fais chier, ou si tu t'ennuies, ou si tu kiffes, pendant cette petite pause, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera très plaisir. Allez, je t'embête pas plus, je sais que tu veux des cartes, et tu vas en avoir des cartes. Je mets les 4 cartes derrière. C'est parti. Je ferme mon paquet et je retourne avec une prudence. Ok, l'énergie des ténèbres. Un hippopotame. Un aquaquac. Un bon chien. Il n'a pas d'anus, comme vous pouvez le voir. C'est un chien sans anus. Barpo, le crapaud. Granivole qui vole. Tignon. Passe rouge oiseau. Tentacool, qui est bien cool. Sulfura de Galar. Et une carte toute merdique. Que l'Orior pour terminer cette magnifique ouverture. Mes amis, il est temps de conclure cette vidéo et de vous montrer notre plus belle carte. Donc, c'est un petit Victini VMAX en rainbow qui fait très très mal et qui fait très plaisir. Sur ce magnifique visionnage, je te fais d'énormes bisous. Je te demande de t'abonner pour faire partie de la communauté Kios Game et de mettre la cloche pour recevoir des vidéos plus folles les unes que les autres en permanence. Passe une bonne soirée. Je te fais des petits pitous encore une fois. Ciao, bye bye.